gestion de droite peut être tout à fait sociale quand on regarde sur le plan national comme sur le plan local l'engagement de la droite sur toute la politique du handicap, par exemple. Les grandes lois, la loi Monchamp pour la dernière, mais d'autres lois il y a 30 ans s'agissant du handicap, sont des lois qui ont été votées, présentées par des gouvernements de droite, des majorités de droite. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire que la gauche ne s'intéresse pas au handicap, mais la réalité historique, c'est que les percées ont été mises en œuvre par la droite. C'est vrai aussi sur le terrain. Le RSA, le fonctionnement des commissions locales d'insertion, rentrer bien davantage dans la matière, être dans un véritable dialogue au moment des commissions locales d'insertion, sanctionner les gens qui abusent, c'est pas être moins social, parce que c'est beaucoup plus exigeant, c'est au fond beaucoup plus social d'être dans un accompagnement actif que de verser des chèques sans regarder ce qui se passe. Donc moi, je suis désolé, je ne fais pas d'autoflagellation sur le fait que la droite ne serait pas moins sociale. Je pense qu'elle l'est plus. Je pense qu'elle peut être plus sociale et de manière plus intelligente.